Silence, s'il vous plaît, on va commencer l'interview. Ça tourne. Interview, quand on s'en t'a réduit. Non, il n'était pas. Qui est-ce donc cet omnia? Missum contraria. Virginum colloquia. De Mathieu, quelqu'un qui fait l'apprentissage de la vie au moyen d'un appareil photo. D'accord. Le regard qu'il porte au monde se fait à travers les photos qu'il développe lui-même. D'accord. Et en développant, il va développer sa propre personnalité, son univers, et toute cette construction va lui permettre d'affronter la vraie vie et de créer de vrais rapports humains. Pardon, excusez-moi. Je peux prendre un... Quoi ? C'est ta fille ? Ouais. C'est lui ou quoi ? Par contre, tu touches pas. S'il te plaît, faut vraiment que je vous prenne en photo. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça va prendre 5 minutes, c'est tout. Qu'est-ce qui t'a plu ? Le personnage, c'est. J'aimais bien l'idée d'interpréter un inadapté, quelqu'un qui vit simplement au travers de son appareil photo. Et c'est la première fois que je joue avec un objet qui est réellement pour un vrai personnage. D'accord, tu te reconnais un peu dans sa façon d'approche ? Pas du tout. Pas du tout ? Non. C'est totalement de la composition. Ça me ressemble pas d'être. De créer... De vivre à travers une illusion. Un objet, ouais. Un objet, ouais. Pour Mathieu, le seul lien qu'il a avec le monde réel, pour lui, c'est l'appareil photo. Et puis après, c'est un style particulier de tournage, parce qu'avec avec Alix, c'est le tournage aventure, c'est l'aventurier qui va nous embarquer avec lui, on va croire qu'il n'y a aucun outil, donc on est complètement libre au niveau de l'improvisation, d'accord, des propositions pour le personnage. D'accord. Bon, même si on se rend compte qu'à la fin, qu'on va exactement là où il voulait qu'on aille. C'est ça. Et c'est un peu, sur un tournage comme ça, on découvre le personnage au fur et à mesure, en fait, des scènes. D'accord. Comme un peu les films de Lelouch, mm-hmm, où presque les scènes étaient données le matin même pour la scène qui devait se tourner tout de suite. Il vous donne juste, en fait, l'impression que c'est vous qui décidez, alors que c'est... Oui, alors concrètement, oui, il est... C'est lui qui prend toutes les décisions. Ouais, il sait exactement où il va. Raconte-moi un peu ton parcours. À la base, je suis bordelais, je suis arrivé à Paris il y a 17 ans pour intégrer les cours Florent. Après les cours Florent, j'ai réussi à tourner dans des téléfilms, courts-métrages et longs-métrages. Mm-hmm. Mais du coup, raconte-moi un peu ton dernier tournage, c'était quoi ? Le dernier tournage, c'était sur un long métrage, donc de l'adaptation de BD Loup, qui est en train de se tourner, qui est encore en tournage. D'accord. Et voilà, c'est un petit rôle. D'accord. C'est un rôle secondaire. Voilà, ouais. Ok, d'accord. Merci, Quentin. Merci.